Good morning, Aleiden. Tu seras aujourd'hui le longish matin. Moi, on a ben chana pegi bat Esther Zab, ben on a le tomchi sportif Simon bat Leoni Michel Novikov, aussi de Fouad Rout, bat Claudine Traina et Simcha bat Masoudi Petor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvuot. פרק דלת משנה ג' שבועת העדות כיצד אמר לשניהם בואו והעידוני שבוע שאיננו יודעים לך עדות או שאמרו איננו יודעים לך עדות משביעני עליכם ואמר אמן הרי אלו חייבים השביע עליהם חמישה פעמים חוץ לבית דין ובאו לבית דין והודו פטורים כפרו חייבים על כל אחת ואחת השביע עליהם חמישה פעמים בפני בית דין וכפרו אינן חייבים אלא אחת אמר רבי שמעון, מה טעם, הואיל ואינם יכולים לחזור ולהודות. וקונטיניו הפלנדון נות משנה, דה לה שבועת העדות, לסרמן דה תמואן. תמואניה דן לתורה, זאת מצווה, אני אובליגה דה תמואניה, לא סקולון קונה כלכל שוז, און אין דהואר. ומי אוקסה, סלוי, לפרסון קונסרנט פרסו תמואניאז' אונטן דרועה דאמפוזה או תמואן, דוויניר תמואניה, אימם לזה סרמנטה. Avec aussi le cas particulier, c'était le principe qu'on avait déjà évoqué. Mushba mipi acherim, je peux même moi-même prononcer le serment à leur place. Et eux, dès qu'ils vont répondre en niant, alors ils seront passibles du korban de Shvuat HaEdut. Ils auront transgressé la faute de la Shvuat HaEdut. Et d'accord, et donc ils seront passibles du korban ensuite. D'accord, parce que j'ai un droit, je peux leur réclamer. Et donc s'ils nient, c'est un peu comme quelqu'un qui me nie. Qui nie que je lui ai déposé un gage chez lui, et ben selon la même idée un peu, il a un témoignage qui peut m'aider, il ne le porte pas, donc il transgresse, j'ai le droit de la sermenter, et s'il nie, donc il est passible du corban. Il a transgressé un interdit. Première partie de la Mishnah, elle est très simple, on la lit vite, et après on va s'intéresser à la deuxième partie qui est l'essentiel en fait. Là, c'est un peu une répétition de ce qu'on a appris jusque-là. Shvuat Haedut Keitzad. Comment se présente le cas de la Shvuat Haedut? Il se présente de deux manières. Amar Lishneim Bo'u Veha'iduni. Il a demandé à deux personnes, venez témoigner en ma faveur, j'ai besoin de vous, venez porter votre témoignage que vous connaissez. Et eux, ils ont dit, Shvua She'en Anu Yod'im Lecha Edut. Et eux, ils ont rétorqué, nous jurons que nous ne connaissons pas de témoignage qui puisse t'aider. D'accord? On apprend là, en réalité, une petite règle quand même, c'est que la Shvua Ta'edut, on est passible du korban de Shvua Ta'edut que si je leur ai réclamé. Si eux-mêmes, dès qu'ils m'ont vu venir, ils ont dit, directement ceux qui ont souhaité, avant que je leur demande de venir témoigner, que je les invite à témoigner, ils ont directement dit, nous jurons que nous ne connaissons rien. Ils peuvent introduire la scène en disant, ouais, on sait très bien que tu as entendu que tu avais un problème, dommage qu'on ne connaît pas, qu'on puisse pas venir témoigner pour toi, on a pas vu la scène, on était en train d'arriver, je te jure qu'on n'a pas arrivé, qu'on n'a pas eu le temps de voir, qu'est-ce qui s'est passé. Ils jurent de lui-même, puisque je ne leur ai pas réclamé, ils ne seront pas passibles de la joie à ta doute. La joie à ta doute ne commence que si je le réclame. C'est ce que la Mishnah nous enseigne. Amar Lishneim Bo'u Ve'Aidoni. Il demande à deux personnes, venez témoigner pour moi. Je vois Hashem Anu Yodim Lecha Edut. Nous jurons que nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur. Oh, ou encore, autre situation. Hashem Rulo, eux, ils ont commencé à ouvrir en disant, Anu Yodim Lecha Edut. Et eux, ils ont commencé à dire, on ne connaît pas de témoignage pour toi. Mashbiani Alechem. Alors moi, je dis, je vous impose de jurer. Et eux, ils ont répondu, Amen. Ils ont répondu, comme on avait appris, Amen, ça s'appelle valider la joie. Amen, ça vient de Emouna. Nous certifions. Ouais. Alors, ils seront passibles du korban de Shvuat HaEdut, parce qu'ils auront nié. En réalité, ce n'était même pas la peine qu'ils répondent Amen. Ils auraient pu même tout simplement dire, nous ne connaissons pas. Après, comme on avait appris le Shvuat Miperirim, lorsque je leur impose de témoigner pour moi en les assermentant, alors dès qu'ils vont nier ensuite, ça sera une valeur de joie. D'accord? C'était simple. Maintenant, là, il y a trois cas de figure. On va tous les lire et les traduire un après l'autre. Après, on va faire de l'ordre, on va expliquer le principe, il est simple. Alors que l'on était en dehors du Bet Din. Pour rappel, on avait vu une discussion dans la Mishnah Aleph. Il y avait là-bas Rabbi Meir et Rabbi et Chachamim. On va retenir juste l'avis de Chachamim. Selon Chachamim, on avait appris qu'il fallait nécessairement, vulgairement, on pourrait dire, jurer au Bet Din. Mais en réalité, on va prendre justement notre mission que ce n'est pas la peine de jurer au Bet Din, il suffit de nier au Bet Din. Tandis que la Shvua, elle peut être faite à l'extérieur du Bet Din. Je m'explique. Le principe de la Shvua Ta'edut, c'est le fait, c'est pas uniquement le fait de mentir lorsque je te demande de venir témoigner. Ça implique aussi nécessairement de se griller, de ne plus pouvoir témoigner ensuite. On avait appris une règle, Kevan Shigid, Shomene Choser Omagid, un témoin qui témoigne au Bet Din, qui affirme quelque chose,
il ne peut plus ensuite revenir sur ses paroles, dire qu'il s'est trompé et qu'il a manqué de précision. Ce que tu as affirmé, ça rentre et c'est pris comme une Torah entière qu'on ne peut plus toucher. C'est tel quel. Ouais, il y a eu, on a déjà évoqué l'histoire, je crois, quand on a suivi Sanhedrin, de deux témoins qui avaient fait un faux témoignage pour condamner quelqu'un à mort. Et puis, au moment de l'exécution, ils ont réalisé qu'ils étaient en train de faire une grave bêtise, que le gars, il allait mourir de, par leur faute. Ils ont voulu à tout prix, tout fait pour dire non, on a menti, tout ça. Le Bedi n'a pas reçu leur parole. Parce que un témoin, ce qu'il affirme la première fois, c'est ce qu'on croit, après il ne peut plus revenir. Selon le même principe, maintenant on vient dans notre sujet. Lorsque tu témoins, lorsque je te demande de témoigner et que tu affirmes, je ne connais pas de témoignage. Donc ça y est, tu as témoigné que tu ne connais pas de témoignage. Tu ne peux plus revenir et dire ensuite, tu te souviens. Le problème de la Shvuat Ha'Edut est d'avoir nié, de s'être grillé la possibilité de témoigner à l'avenir en... avec une enjurant en même temps. D'accord ? C'est la, cette situation-là spécifiquement que la Torah m'impose de, d'apporter un korban de, parce qu'on a transgressé la Shvuat Ha'Edut. Soit, concrètement, si je le fais jurer en dehors du Bet Din, en dehors du Bet Din, même s'il dit des bêtises, lorsqu'il va rentrer finalement au Bet Din et qu'il va finalement témoigner, il n'aura pas grillé la possibilité de devenir témoin. Dans ce cas-là, il ne sera pas chayav de Shvuat Ha'Edut. Est-ce qu'on a une Shvuat Bitouille ou non ? C'est un autre sujet. On a déjà évoqué que c'est un... D'accord, c'est un peu compliqué dans toutes ces Mishnayot. On va pas rouvrir le débat. Peut-être qu'on dira un petit mot à la fin. En tout cas, concrètement, par rapport à la Shvuat Ha'Edut, on s'intéresse que à la Shvuat Ha'Edut, il n'y aura pas ici de chiouf de Shvuat Ha'Edut. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas nié devant le Beit Din, il aura nié à l'extérieur du Beit Din. Mais lorsqu'il est venu au Beit Din, finalement, il a témoigné, il a dit ce qu'il fallait. Donc finalement, il a fait sa mitzvah de témoigner. D'accord ? Il a peut-être juré à tort, mais en tout cas, il n'aura pas juré à tort la Shvuat Ha'Edut. À faux, il aura juré à faux, mais pas la Shvuat Ha'Edut. D'accord ? Maintenant, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Ishbia aleem. Alors, il y a trois cas de figure. On les lit, on les traduit, après on fait de l'ordre. Ishbia aleem, chamisha pe'amim chutz le bedin. Il les a fait jurer cinq fois à l'extérieur du bedin. Je leur dis, venez témoigner pour moi. Je vous assermente que si vous connaissez un témoignage pour moi, que vous venez témoigner. Et soit ils ont rien dit, soit ils ont répondu oui, amen. Ils ont dit amen, comme c'était le cas précédent, ou ils ont dit le cas, ouais. Ils ont nié, peu importe. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, ou baou le bet din vehodu, mais finalement, ils sont venus au bet din et ils ont reconnu qu'ils connaissaient en réalité le témoignage, et ils ont affirmé c'était quoi le témoignage. Ils ont dit au début, ouais, on avait des hésitations, on avait peur que lui, il allait nous en vouloir. Finalement, on est venus, on a témoigné. Alors, ptourine, ils seront dispensés du korban de Shvuat Ha'Edut. D'accord ? Ouais. Maintenant, si en venant au bet din, c'est là le cas particulier, kafro, ils ont nié, ils sont revenus au bet din. Et je leur ai demandé devant le Bedin, je vous assermenté cinq fois dehors, je vous redemande encore une fois de témoigner. Même je ne prononce même plus de Shvuah cette fois-ci. Et eux, ils disent devant le Bedin, nous ne connaissons pas de témoignage qui puisse t'aider. En anou yudem lechaïdout. Alors, la Mishnah nous enseigne, chayavin al kol achat ve'achat. Je les ai fait jurer à l'extérieur du Bedin cinq fois. J'ai prononcé cinq. Je les ai assermenté cinq fois. Et finalement, on s'est retrouvé devant le Bedin en niant. Eh ben. Ils sont retrouvés en train de nier le fait qu'ils connaissent leur témoignage. Alors, ils ont, oh, à ce moment-là, ils ont nié les cinq Shvuot que je leur ai fait prononcer. Donc, ils ont chavim cinq korban. Tandis que, Ishbiya aleim chamisha pe'amim bifnei beddin vekafru. S'ils ont juré, ils les ont assermentés cinq fois bifnei beddin. Pendant qu'on était dans le beddin, eux, ils étaient là en train de faire les... Genre, ils connaissent pas, on leur répond pas, on leur demande, on les regarde, on les fixe dans les yeux, ils répondent rien du tout. Je vous assermente que si vous avez un témoignage pour moi, que vous venez témoigner, ils répondent pas. Je vous assermente au nom d'Hachem, que si vous connaissez un témoignage, que vous ouvrez votre bouche et que vous témoignez pour moi. Et ils continuent à se taire. Et encore une fois, 3, 4, 5 fois, et puis à la fin, je leur dis, parlez. Et ils me disent, En anu yodim lecha edut. Nous ne connaissons pas de témoignage qui puisse t'aider. Donc là, ils ont fini par nier. La Mishnah nous enseigne que dans ce cas de figure, ils ne seront chayav que sur un seul korban de Shvuat Ha'Edut. Ils ont transgressé une seule Shvuat Ha'Edut qui est la toute première. Tandis que les quatre autres, non. À la différence maintenant, on fait de l'ordre avec le cas précédent, qui était le cas où je les ai assermentés en dehors du Bet Din. Ils viennent au Bet Din et ils nient. Alors là-bas, je considérais qu'ils avaient nié cinq serments. Tandis que lorsque je les assermente au Bet Din, alors dès qu'ils nient, ils seront chayav que d'un seul korban. Pour quelle raison ? Amar Rabbi Shimon nous dit, Mataam, quelle est la différence ? Ho'il
ve'einam yecholim lachzor ulehodot. Étant donné qu'une fois que l'on est au Bet Din, ils ne peuvent plus recommencer, revenir sur leurs paroles et reconnaître. Alors maintenant, on va faire un petit peu d'ordre. C'est pas compliqué, c'est très simple même. Ça dépend comment je vais réussir à expliquer, c'est là la difficulté, mais ça va aller. Regarde, hop, rien de grave. Hop, on reprend. J'assermente, alors d'abord, premièrement, il faut commencer par là. Il y a un passouk qui nous dit, dans Vaïkra, une fois qu'on a rapporté la Shvuat Haedut, le passouk qui nous dit, ouais, comme on avait dit, comment il disait ce passouk? Oh. On y est, excusez-moi. Voilà, c'est encore un petit peu en arrière. Venefesh qui te cheta, veshama kol ala. Quelqu'un qui fautera et qui aura entendu un serment, on l'aura assermenté. Vemu ed, et il est témoin. Ora, oyada, parce qu'il a vu, parce qu'il a entendu. Imlo yagid, venasa avono. S'il ne témoignera pas, donc il niera le témoignage, venasa avono. Il portera sa faute, il sera fautif, il aura transgressé une avéra, qui sera de quoi? Alors le pasouk nous enseigne dans le pasouk Hey, Vaya ki yesham leachat me'ele, vehid vada asher chata alea. Lorsqu'il sera culpabilisé sur la faute qu'il a fait, vehid vada, il reconnaîtra son tort, il voudra faire tshuva. Asher chata alea, la faute qu'il a réalisée, vevi atashamo l'Hashem al chatato asher chata. Il devra apporter un korban chatat à Hashem, nekeva minason, kizba o seira. D'accord? Si on fait attention, le passage qui nous dit, Vaya ki yesham le achat me'ele. Lorsqu'il aura fauté, je ne sais pas comment dire, il aura été culpabilisé pour l'une d'entre elles. La Torah a incité la achat me'ele pour l'une une d'entre elles. Concrètement, Chachamim nous apprend de là que si tu as répété, si tu as transgressé 5 fois la même faute, dans certains cas de figure, tu seras chayav sur chacune d'entre elles. Ça se rapporte sur la Shvuat Haedut, donc en l'occurrence, que si tu as, au final, si dans le même, dans la même histoire, le même conflit, le même, d'accord, le même différent entre deux personnes, tu avais le même témoignage et tu as malgré tout juré 5 fois, la Torah m'a dit Vaya ki yecheta le'achat me'ele, Vaya ki yecham le'achat me'ele, quand tu seras fautif sur chacune d'entre elles, tu seras chayav 5 korbanot sur la même Shvuah. Comment le cas se présente? Alors là, Rabbi Shimon vient, la Mishnah nous enseigne en fait, Rabbi Shimon il explique, le principe est simple. Lorsqu'on se retrouve au Bet Din et que je te demande de jurer une première fois et je t'assermente, à ce moment-là, si tu niais, est-ce que tu avais la possibilité de revenir sur tes paroles ensuite? Non. D'accord? De ce fait, lorsqu'on est au Bet Din, j'assermente une personne 5 fois, en réalité, les 4 supplémentaires, c'est du vent. Ça sert à rien. Parce que tout dépend que de la première. Je t'ai demandé une première fois de jurer et si tu nies, alors, il s'avère que tu t'es grillé, tu ne pourras plus jamais être un témoin au Bet Din, puisque tu as nié au Bet Din, tu ne pourras plus jamais revenir témoigner. En l'occurrence, les 4 serments supplémentaires que je t'ai demandé de jurer, c'est plus une Shvuat Haedut. Ça peut être autre chose éventuellement, en tout cas, c'est plus une Shvuat Haedut. Il n'y aura plus le korban particulier qu'on est Hayav lorsqu'on est Mézid et tout ce qu'on avait déjà commencé à évoquer un petit peu les différences entre la Shvuat Haedut et la Shvuat Bitoui. D'accord? C'est clair? Donc, lorsque je t'assermente 5 fois et qu'on est déjà au Bet Din, lorsque tu nies, le fait que tu nies ensuite va se rapporter, c'est une réponse à chacun des serments. Donc tu dis non à la première, non à la deuxième, non à la troisième. Dès que tu as dit non à la première, il n'y a plus de deuxième, troisième, quatrième, cinquième. D'accord? À la différence de lorsque l'on est en dehors du Bet Din, je te demande de venir jurer. D'après Chachamim, si tu nies à l'extérieur du Bet Din et que tu viens à l'intérieur du Bet Din et que tu témoignes finalement, il s'avère que tu n'auras pas nié la Shvuat Haedut, tu n'auras pas transgressé la Shvuat Haedut. D'accord? Il y aura peut-être éventuellement un problème de Shvuat Bitoui, c'est vrai, mais en tout cas, il n'y aura pas de problème de Shvuat, il n'y aura pas de transgression de la Shvuat Haedut. Parce qu'au final, tu es venu, tu as témoigné. Je t'ai demandé de venir témoigner, je t'ai assermenté pour venir témoigner, tu es venu, tu as témoigné. Même si tu as nié à l'extérieur du Bet Din. Maintenant, malgré tout, à l'extérieur du Bet Din, il y avait quand même une Shvuat que tu as menti. Il s'avère qu'au final, tu as sauvé le coup. Mais lorsque tu nies finalement, en arrivant au Bet Din, il s'avère que tu nies chacun des serments que je t'ai demandé. Parce que même si tu n'étais pas saoul après le premier, tu avais menti, mais tu aurais pu encore, puisqu'on n'était pas à l'intérieur du Bet Din, on était à l'extérieur du Bet Din. Alors tu aurais encore pu faire tshuva et finalement venir témoigner. Tu t'étais pas grillé.
De ce fait, la deuxième Shvoua, le deuxième serment, c'est aussi une Shvoua, et même le troisième, et le quatrième, et le cinquième. De ce fait, lorsque tu es en Bedin et que tu nies, alors considère que tu as nié sur chacun, chaque fois que tu t'as sermenté, ouais, tu as répondu non devant le Bedin. Donc tu as juré cinq fois à tort pour le même serment. D'accord ? C'est le principe de la Mishnah. Et on va faire tout de suite le Barthénois. Ubao le Bedin vehodu pturin. Ensuite, ils sont venus au Bedin et ils ont reconnu leur tort. D'accord ? Donc c'est le premier cas. Ils ont reconnu qu'ils connaissaient en réalité un témoignage. Ils sont pturin et sont dispensés du korban de Shvuat Haedut. Vafilu kafur chutz le Bedin al kol Shvua. Même s'ils ont concrètement nié à l'extérieur du Bedin sur chacune des Shvuot. Pourquoi ? She'en kfira chutz le Bedin chashuva kfira. Le fait de nier à l'extérieur du Bedin, c'est pas encore c'est pas encore une kfira, on ne considère pas que tu as déjà commencé à nier. Je t'ai demandé de venir au Bedin en t'assermentant, et ben viens au Bedin et témoigne. Tu me racontes des bêtises quand tu parles en dehors du Bedin et que tu dis que tu connais pas la Hédoute, que tu connais pas de témoignage, c'est pas mon problème en réalité. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au final tu viennes et que tu témoignes, d'accord? Kavro Bedin, Chayavin, Alkol Achad Vahad. Par contre, s'ils ont nié au Bedin, une fois qu'ils ont été assermentés cinq fois en dehors du Bedin, ils sont venus dans le Bedin et ils ont nié, et ils seront Chayavim al-Kol Achat ve'Achat, ils seront responsables, Chayav d'un korban sur chacune des Shvuot. Pourquoi ? D'Amarka, comme nous dit le Pasuk, Ve'aya ki yasham le'achat me'ele, et il sera, lorsqu'il sera condamné sur chacune d'entre elles, le Chayav al-Kol Achat ve'Achat, je déduis de là qu'il y a une condamnation sur chacun des serments transgressés. Matam, Rabbi Shimon nous explique quelle est la différence, quelle est la raison. Pourquoi ils ne sont passibles que d'un seul korban, même si finalement ils se sont tués et qu'ils n'ont nié que à la fin, c'est-à-dire lorsque je les ai assermentés à l'intérieur du Bedin, ils se sont tués et puis ils ont nié que à la fin, finalement tu aurais très bien pu dire que c'est une réponse qui répond non à chacune des Shvuot. Eh ben non, dis pas ça, pourquoi ? Pour quelle raison ? On dit pas que le fait de nier se rapporte sur chacune des Shvuot. Pourquoi ? Étant donné que s'ils avaient expressément nié le fait qu'ils avaient explicitement dit qu'ils ne connaissaient pas de témoignage depuis la fin de la première Shvuot, ils n'auraient plus pu revenir sur leur reconnaître leur erreur. C'était trop tard. Pourquoi ? Puisque maintenant, c'était le moment de parler au Bedin, ils ont déjà exprimé qu'ils ne connaissaient pas de témoignage. Après, ils ne peuvent plus revenir sur leurs paroles, selon la règle. Et le car, pour cette raison, même s'ils n'ont nié que à la fin, une fois que je les ai assermentés cinq fois, et à la fin, ils ont nié. Toutes les autres Shvuot s'avère sans aucun intérêt, ils n'avaient aucune valeur de Shvuot, étant donné que finalement, il s'est avéré rétroactivement que depuis la fin de du premier serment, qu'ils étaient devenus invalides au témoignage. Quelqu'un qui ne peut pas témoigner, il n'est pas capable de Shvuot et d'autres, comme ce qu'on apprenait dans la première Mishnah du Perek. Deim Masheshat Kuba Rishona Kfira, parce que le Barthénois est allongé pour nous expliquer que si on considère que le fait de s'être tué depuis la première joie, ça s'appelle une Kfira, Shuvenam Ruim Lashbian, de ce fait, ça ne servait plus à rien de leur demander de jouer une deuxième fois, puisqu'ils ne sont plus des témoins maintenant, ils se sont grillés. Veim Ena Kfira, il y a de quoi rallonger, mais ça va devenir trop lourd si on explique chaque mot. Veim Ena Kfira, Are Mushbain Omdil, et si on considère. Et si on considère que c'est pas une kfira, ça s'appelle pas nier le fait de s'être tué. Dans ce cas-là, tu m'as déjà demandé de jurer, donc ça y est, je suis déjà imposé de te répondre. Je suis déjà mushba veomed, je suis déjà assermenté. Au mazo je vois, à quoi ça sert de me faire jurer une deuxième fois. Ce qui est al-kochar pour deux, forcément, kiktiv le'achat, lorsque le pasuk nous dit le'achat pour une seule, le'chayav al-kolachat v'achat, que tu vas rendre chayav sur chacune des shvuot, ashvuat chutz le beddin vekafru be beddin kiktiv. Ça se rapporte sur le cas où il les a sermentés en dehors du Bedin et ils ont finalement nié au Bedin. Des joies trop le Bedin, Shaya, Mashbian, Shayavu, le Bedin, Veyaïdou, Loyatsu, le Batala. Car lorsque je les ai assermentés en dehors du Bedin, là-bas, c'était pas les Batala. Ça avait, bien sûr, ça avait un intérêt. Pourquoi ? Des Rouyot, Lichalek. Et elles sont aptes à être donc
considérées comme chacune indépendante pour entrer dans un korban. Pourquoi? Puisque même s'ils avaient nié explicitement en dehors du bedin, j'aurais quand même pu leur réclamer de revenir témoigner malgré tout, et ils ne s'étaient pas grillés puisqu'ils étaient à l'essor du bedin. De ce fait, chaque voix a une valeur de joie, donc chaque kfira fait que c'est une transgression sur chacune des joies qui sera khayab sur 5 korbanot. Ok, je souhaite une pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.